Dans une vidéo postée par la chaîne El Bilad, l'un de ses principaux soutiens médiatiques, le candidat islamiste Abdelkader Benguerina qui continue d'altérer le bon et le moins bon dans la campagne électorale, a commis un dérapage électoral grave en déclarant qu'il ne restera que trois candidats dans la course électorale. Toujours arrogant, le candidat du mouvement islamiste El Bilad s'exprimait d'une position assez ambiguë, déclarant notamment « Le message est arrivé ». On a détruit le premier candidat, favori, pour que vous soyez tranquille. Le deuxième, son tour viendra, le message est arrivé à lui et à ses associés, et son tour viendra dans 2 à 3 jours. Avant de conclure, il ne restera à la fin que trois candidats qui n'ont pas fait partie de la bande et Elahi Sabah. Cette déclaration très polémique, risque d'avoir des conséquences fâcheuses pour la suite de la campagne et s'inscrit en contradiction avec la charte de déontologie signée par le candidat Benguerina avant le début de la campagne. Elle risque d'envenimer les relations avec les autres candidats qui n'ont pas attaqué dans leur meeting le candidat islamiste. Même si les noms n'ont pas été cités, le message de Benguerina est clair et les couteaux sont officiellement tirés dans une bataille électorale qui s'annonce sans merci.